Dans un chapitre qui s'intitule « Tu pars, il faut te dire adieu », nous nous retrouvons sur Triangle Strategy. Bonjour tout le monde, je suis toujours Nintendo, ça n'a pas changé. Par contre, on est dans la merde, parce que le titre du chapitre ne m'inspire pas, puisque nous sommes censés porter secours à notre sœur, en tout cas celle de Roland. Je le rappelle, dans l'épisode précédent, j'essaye de me remémorer également ce qui s'était passé, on se faisait un petit peu défoncer la gueule, mais en même temps pas trop. Mais si quand même. C'est clair ? C'est clair. Alors, on a elle qui doit taper quelque part, qui doit faire quelque chose. Est-ce que je peux tuer quelqu'un ? Oui, lui il meurt. Lui il meurt, lui il prend cher, lui il prend quelques dégâts, lui aussi. Et c'est vrai qu'il y a lui aussi, ça c'est un peu embêtant. Elle risque de se faire un petit peu défoncer la petite. Elle a 3 PV quoi. Sérieusement 3 PV le machin? C'est un peu scandaleux quand même. Est-ce que j'ai vraiment besoin, sachant que lui il fait un x3 derrière, puis il le tue. Ah, x3, si je vais le taper elle. Est-ce que 786, c'est divisible par 3? 13, 21. A priori oui. 14, non. Donc on va essayer de taper lui. Ça le fait 355. 355, c'est pas divisible par 3, ça, si. 13. Non. 394. On est à 15. Non, on n'est pas du tout à 15, on est à 17. J'ai compté encore. Non, mais on est à 16. Je ne sais plus compter, c'est officiel. On est à 16. 16, c'est divisible par 3? Non, hein. Je crois pas. Hein. C'est pair. Donc, c'est compliqué déjà. Ça veut pas dire que c'est pas divisible par 3. 3 fois quelque chose égale 16. 16 divisible par 3, j'ai pas un truc qui me vient direct dans l'esprit. Hein. C'est 15 divisible par 3, donc 16 non. Donc raté. Toi. 75. C'est divisible par 3, 75. C'est un multiple. Puisqu'on arrive à 15, donc je peux taper en fait. On va taper lui du coup. Et je ne peux pas, il y a lui qui bloque. Saloupio. Et si je me mets là, je peux me mettre là pour taper là. Parfait. On va faire ça. Paf. Ensuite, parce qu'on est d'accord, toi tu peux taper, hein, t'as les 5. Toi tu ne peux rien faire. Shall we begin, on va juste soigner la dame et puis c'est tout. Hein. Hop. My hero. Ah, Huguette, t'es en PLS un peu. Toi, tu prends cher. Non, mais toi, tu meurs, en tout cas. Enlève les portées des attaques, s'il te plaît. Merci. Toi, tu passes... T'es à 506, toi. 506. On est à 11, ce n'est point divisible. Alors que 4 et 2... 6 et 8... 4 et 2, 6 et 8, 14. Toujours pas divisible. Saloupio. Saloupio, et toi? 10, non. Entrave d'ombre. 12. 12, c'est mieux. 12, c'est bien. 12, je prends. En plus, il ne bouge pas. Toi, tu te mets là, tu fais PV mat x3, et a priori, tu touches pas mal de monde. On a vu. Voilà, t'en butes 2. Parfait. Pas mal. La planification était propre. Deux ennemis d'un coup. Bien joué, décimal. Bon là, par contre, il va prendre un peu cher, le petit. Ouais. Aïe. C'est Frédérica qui aurait bien apprécié, là. T'as déjà utilisé ton truc... T'as peut-être déjà utilisé ton truc. T'as peut-être déjà utilisé... Oui. On va juste taper Erika. Ça me paraît bien. Il est en tenaille, tu prends pas de dégâts, le problème il est là. Il peut pas se déplacer, donc on va se mettre comme ça. Et lui qui avance. Ok, on a mis l'eau. Ouf. C'est dommage. On me tabassait là, il a 5 PV. Il est pas dans les flammes ce con.
Quoi raté? Ah merde, j'ai pas regardé la précision. Fuck. My bad, là, pour le coup. Tu t'appelles Erika, c'est ça? Cela ne doit pas être facile de vivre avec un visage et un cœur aussi laid. Je vais mettre un terme à ta souffrance, va. Ferme-la, espèce de femme de bas étage, je vais t'égorger. C'était une pique bien envoyée, celle-là. Pauvre de foi. Monte sa vigueur. Medina. Qui c'est qui est en PLS? Cernor, il est un peu en PLS. Hein. Est-ce que tout le monde est en PLS? Ils sont nombreux à être... ouais. Vous savez quoi? On va se mettre là, genre tu prends pas beaucoup de dégâts. Et on va faire les doigts angéliques sur toute la team. Hein. On consomme 10 trucs, certes. Mais... on en a besoin, je crois. Voilà. Hop. Alors Frederica. Qui c'est que tu peux cramer, toi? Il y a une résistance. Par contre, les deux, ils meurent. Enfin, l'autre, il meurt. Et du coup, ça me plaît bien. Il prend quand même des dégâts, mais l'autre, il meurt. 301. Ouais, le chevalier, il prend cher. L'autre qui se pointe. Flèche enflammée. Ça pique un peu. Ils font pas tant de dégâts que ça. Ah, mais c'était pas... ok, c'était pas le frère. On va juste faire une... on va juste taper. Hein. On va juste taper la dame. Paf. On va juste taper la dame, parce qu'à un moment, il faut y aller. Hein. On peut aller là, cela dit. Moins que là, ils prennent l'aggro un peu plus. Ou au contraire, je reste là. Qui c'est qui joue après Erador? C'est Anna? Bah du coup, on va laisser Anna taper... taper la dame deux fois. Hein. On veut qu'elle meure, la petite. Paf, paf, double critique. Et on va la buter. Hop, parce qu'elle, elle fait des dégâts. Hein. Ah non, je refuse. Non, pas ici. Non. Ah bah elle, Erika, est morte. Il n'y a pas de je fuis là. C'est vraiment, elle crève, ça fait plaisir. Et les deux, on récupère des PV. Ah, y'a eu qui se pointe, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool par contre. C'est enfin débarrassé d'Erika. T'as des blaireaux qui viennent se pointer là. Ça ne me plaît point. Moi, cela dit, il faut peut-être juste buter eux. Hein. La mission, on est d'accord, c'est juste buter eux. Bon. Comment je vois? Je fais juste X. Non, annihiler l'armée ennemie, donc c'est vraiment, faut tout ce que je débute, hein. Après, si je me débarrasse de eux, c'est ceux qui font le plus de dégâts, mais... Ça va faire... ça va faire mal, hein, ça va être difficile. Anna, elle a le truc angélique, elle peut survivre un coup. En fait, ça me plairait bien de passer là. Il arrive ici. Ouais, non, c'est naze. C'est naze, c'est naze. Ça ne me plaît pas, en fait. On abandonne l'idée. Là, il prend super cher. On va juste taper comme ça. Paf. Voilà. Il faut les taper un moment. On va se mettre comme ça. Il va taper Anna. Avec une épée, très bien. Ils sont nombreux, c'est con. Rafraîchissement. Évidemment, tous les dégâts que je lui ai mis. Sad. Aïe. Les vents. Ça pique. Ça pique un peu quand même. Est-ce que je ferais pas... hein, vous n'approcherez pas ou je sais pas quoi là. Je ne peux pas. Très bien. On va faire juste un piaf alors. Paf, dans les dents. On va juste faire un truc comme ça. Toi. Je t'envoie une boule d'énergie. Tu m'en veux pas? Ouais, il a 1000 PV. Hein. On va le taper à un moment, il faut que je tue des mecs. Hein. 56, c'est pas beaucoup. Gila. Après, il y a lui qui se pointe. Après, c'est Decimal. Après, c'est Serenor. On va peut-être juste mettre Gila là. Anna a pris cher, mais elle a un résurrection, alors que... il me semble que Serenor, on l'a déjà utilisé. Aïe.
J'avais pas capté ça. Décimal, tu es à 3 également. Est-ce que tu peux... PV x3, tu fais qui, toi? Tu touches personne, là. x4, tu touches lui. x5, tu retouches le même. Oh, bah c'est chiant. Ils prennent 0 dégâts, les cons. Ils ont ni 3 PV, ni 4 PV, ni 5 PV. C'est un peu de l'arnaque, non? Mort subite de 9%. Ça peut être intéressant de faire un mort subite de 9%. Tu veux pas passer? Ce serait pas mal. Non, ça a pas fait mort subite. Dommage. Ça aurait pu, ça aurait été bien. On va le taper, lui. Hein. On va le taper. Aïe. Paf. Prends quelques dégâts quand même. Grâce à ça, on fait ça. Ça, ça pique un peu. Heureusement qu'on était sur le côté. Hein. Il y a le tank, il y a Medina. Et ouais, mais non. Medina, le problème, c'est que tu vas te faire agresser si je fais ça. Me mettre là et juste faire fin de tour. Moi je peux lancer une dragée. Parce que j'ai envie de lancer une très grande dragée. Juste une petite dragée, j'envoie comme ça la patte avec mes petites mains. Tiens, mange ça. Merci. Ok, toi je peux te tuer, toi. Si je reste là avec Milo. Ah non. Pas le tuer, ah merde. Ah oui, il est trop loin. Flûte. Et en taille, tu fais 0 dégâts là, c'est pas cool. Et là, tu fais des dégâts. Brouillard bleu, ça enlève un truc. Piège de cœur. Peut charmer un ennemi pendant 2 tours. Charme 54%. C'est-à-dire qu'il se bat pour nous. Toi, a priori, t'es 0%. Bon, on peut essayer, hein. 54%, moi, ça me plaît bien. Ah, ça a marché, parfait. Serenor, il prend cher, hein. Serenor, il prend cher. Est-ce que je t'appuie 2 fois? Me met à couvert peut-être. Je sais pas. On va la retaper. Est-ce que je peux, cela dit, je peux faire un atout de. Je pourrais faire un atout. Un atout de soin. Sort des flammes, il crame les deux, hein. On va faire un atout de soin juste sur. C'est très la bouteille. Sur Anna. C'est un peu en panique. J'aurais pu faire ça sur Serenor aussi, mais je pense qu'il y a. Non, il y a lui qui tape. Ouais, c'est plus. C'est plus ceux qui vont taper. Ok, Gila, elle aura temps de taper. Ok, très bien. On va se mettre là et on va faire le sort des flammes, hein. En vrai. Ça les bute, hein. Boum. Efficace. Ça pique un peu, pas vraiment. Ça vaut un damit. Vent magique. Il prend cher, par contre. Il fait que des dégâts magiques, donc ça va faire que des dégâts de vent. Il y a lui, ensuite il y a lui. Ensuite il y a lui. Ok, donc c'est bon. On va s'avancer. On a de quoi faire le barrage vivant, on va juste attendre. Tranquillement. Commencer à prendre les positions pour monter dans le navire. Ok, bien esquivé. Toi, tu peux le taper avec la lance.
ça me va. Paf. Serena en plus elle soigne, c'est plutôt pas mal. Ça c'est un peu embêtant. Alors toi, si je me mets là, je peux t'envoyer une flèche. Ça pique, hein. Paf. C'est plutôt bien. La mamie, on va l'envoyer taper lui. C'est tout. Ça fait un contre. Bon, elle sert pas à grand chose, la mamie. Alors je dis là. Le problème, c'est ça. C'est peut-être qu'il vaut mieux que je fasse ça sur Roland. Décimal. Toi, tu vas juste attendre, je crois. Comme ça, tu reprends ta recharge. Fais quoi, lui? Il tape qui? Ah, résistance au feu. Ok, il tape personne. Ok, Serenor. Ça, c'est très bien, parce que du coup, on va pouvoir aller taper lui et le buter. Ah non, on peut pas le buter, merde. Merde, je pensais qu'on le buterait, vous voyez. Du coup, je vais me laisser là. Non, je vais pas faire ça. Je vais juste faire ça, je vais le taper. Merde, il m'a contré l'enfoiros. Et je vais me mettre là. Je vais laisser Medina me soigner. On va faire un très grand là. Hop. Prends ça. Je vais rester là avec Medina. Ok, toi. On aurait envie de te taper. Coup de mou. Inflige des dégâts physiques à un ennemi et diminue ses défenses physiques et magiques. Ça, c'est pas mal, ça. Enfin, un coup de mou. Paf. Comme ça, il est un peu réduit. On esquive. Il prend max de dégâts. Et là, on peut le retaper. Et il prend cher, du coup. Aïe. Et il va finir par crever. Et lui, il est charmé, donc il va taper son copain. Bien joué. Il est encore charmé un tour, je crois. Il va falloir qu'on le gère plus tard. Bon, il est charmé pour un tour. On va prendre ça. On va faire juste ça. C'est fort le charme. Il se fait soigner. Là, on va le cramer, hein, c'est tout. On va juste faire les chaînes. Il crame. Ça dégage. Et on est bien. Lui, il se pointe là-haut. Il a un arc ou... On aura 4 au prochain tour. Coup d'épaule. Ils sont tabassés. Ouais, petit à petit, mais le problème c'est qu'il va, il va prendre cher quoi. Ah, c'est chiant, on va peut-être taper lui plutôt. Faire un coup double. Est-ce que ça casse son charme? Non. Hein. Par contre, on le tue en fait, c'est pour ça que. Quand il sera plus charmé. Ah, mais il s'est foiré. Parce que quand il sera plus charmé, il va nous faire chier. Donc. On va en profiter, quoi. On voit la boule. Allez, on envoie la boule. Quelqu'un qui est blessé. Serenor, tout va bien. Presque. Roland. Non, bah c'est peut-être le moment de... Non mais toi t'es déjà résistante. Va juste se soigner, hop. Pas besoin de plus. Math x 3. Math x 5. Prennent des dégâts, non. Là oui. Anti-sèche PT 0. C'est quoi ça? Monte la vigueur et la magie des alliés dans la zone d'effet.
possède 0 PT. Non, on va faire un mat x 3. C'est bien, mat x 3. Paf. Ce n'était pas 985. Hein. Malheureusement. On va juste mettre fin de tour. Hein. Medina, t'as pas besoin de faire grand chose. Serenor. De même. On va t'avancer. Toi. Tu peux jeter de poison lui. Ça y meurt. Et tu mets fin de tour. Petit brouillard vert. Non, juste un éventail noir, ça suffit. Je sais pas ce qu'il va faire, il va se barrer. Fin de tour, il fait rien. S'il se déplace. Il n'est point plus charmé. Vent repoussant. Aïe. Embêtant, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, Erador. Trop solide pour bouger. On va le taper avec lui. Paf. Bah dommage, l'opportuniste lui a fait prendre des dégâts, c'est con. C'est con. Il résiste tous au feu pendant un tour, donc on va juste attendre en fait. Ça la récupère son truc. Si tu me promets que tu ne passeras le reste de ta vie à m'obéir aveuglément, je t'épargnerai, Frédérica. On a buté tes sœurs, je crois pas. Faites erreur si vous pensez que les menaces vont marcher sur moi. Comment oses-tu me répondre ainsi? Tu n'es qu'une tache dans la ligne à Esfros, une sale rosélienne, et que je vais faire enfin disparaître. Je comprends aujourd'hui que vous vous sentiez simplement seul et que vous vous serviez de moi pour extérioriser votre angoisse. Finissons-en, ici et maintenant. You are weak. Toi, je te mettrais bien la gueule. Dans la gueule, une petite flèche là. Paf. Efficace. Moi, je vais mettre ici et je vais lui dire venez me taper. Viens, aller me taper. Immunité, poison, silence scolaire. Ah merde. Viens pas me taper. Cela dit, ça m'évite de prendre des dégâts quand même. Du coup, il est en colère. Il va pas soigner son copain. C'est assez avantageux. Est-ce que je peux boule d'énergie lui? Je peux boule d'énergie lui. Est-ce que ça vaut le coup de boule d'énergie lui? Peut-être. Ça, c'est Medina. C'est pas forcément intéressant. Il y a qui après? 6-2. Il rejoue avant. Je sais pas si ça vaut le coup du coup. Non, je crois que je vais juste me mettre là. Ou juste là plutôt. Ouais, voilà. Hop, fin de tour. On va rester là également pour les soigneurs. Histoire grandement, j'ai pas spécialement besoin de ça. On va soigner elle quand même. Hop. Et si mal, tu n'as rien d'autre à faire que d'attendre. Comme ça, tu récupères tes trucs. Les vents, aïe. Je pense pas que tu t'apprêtes elle. On va juste attendre une fois de plus. On va pas la porter. Toi, je vais te taper deux fois. Je pense que je monte. Ah non, je peux pas aller là. Du coup, je vais juste taper. Paf. Et paf. Let's play. Toi, je vais te faire saut de lune. Merde, j'ai loupé une case. C'est pas grave. Hop, j'ai loupé une case. Let me show you what I've learned. Guérisis de base. Enfin, il prend quand même super cher. Hein.
quand même super cher. Chaîne de flammes. Il se prend 200 dégâts, même s'il résiste. Hein. Ah, mais il résiste même pas, en fait. Il n'y résiste plus. 218, c'est pas dégueu. Aïe. Anna a pris un peu cher. Il est vrai. Alors, Huguette. Tu vas taper le monsieur. Voilà. Medina. On va faire un petit objet double. Double dragée sur la dame. Non, pas une très grande. Ah, j'ai plus de petite. Ah merde. Bon, on va faire ça. Hop. Ah, il a donné un coup d'épée. Oui. Juste un coup. Mais l'aile. Il pensait accomplir quoi. La bulle disparaît. Faut la boule d'énergie sur lui. Voilà, paf. Ça, il se fait éclater. Magie curative sur elle-même. Ça, c'est efficace. Décimal. Tu ne peux toucher personne. Génial. C'est un peu chiant là. Lui se auto-soigne, mais il a oublié. Il a oublié qu'il pouvait sauver lui. Là, mais il l'a pas fait. L'âme de l'ombre. Il va juste se taper deux fois. Hein. Ah, Serenor. La botte du faucon. Sur lui. Hein. C'est vraiment le focus. You will pay. Mais il continue d'attaquer avec son putain de... Ça sert à rien. On va faire le coup double, hein. Ça se fait plus de dégâts. Oh, il a été opportuniste, il va le buter. Oh là là, il l'a létal. Yeah, frère, à l'aide. Frère, j'aurais voulu. Ah, je meurs comme un con. Comme une merde, surtout. Tu peux danser si tu veux. Saute lune là-dessus, hop. Et voilà. Fin de tour. Attaque des... Bon, on va faire ça, on joue ça. Paf, paf. Et l'autre qui va nous emmerder là-haut. Ça pique un peu. Je pense que Medina, ça merde. On va juste taper alors. Un petit coup de poignard là. Paf. Ah. Fait un sort de flamme, hein. Il résiste pas vraiment. Un tour. Un tour. Il en reste plus qu'un là. Behold! Mat attitude. Ah, tu prends un peu cher. Vas-y. Fais-toi éclater. Paf. Établissement, guérison. Vas-y, fais rétablissement. 340 quand même. Hop. Oh. De mou. Prends ça dans la tronche. Mais je peux pas. Je n'ai pas les dégâts de distance. Par contre, Huguette, oui. Ah, peut-être pas. Merde. Bah non, du coup. Elle a pas la portée. Ta-da-da. Il va attaquer un jour ou pas? Peut-être pas. Hein. Non, j'ai pas assez de temps. Enfin, de portée. Aïe.
Là, écrasant. Vas-y, juste parce que c'est drôle. Allow me. Allez, qu'on passe à Anna, s'il vous plaît. Anna, c'est à toi. Elle est perchée sur son truc, on est 15 dessus. Ah, merci. Merci, Anna. Enfin, c'est à toi. Fin de combat. Victoire. Voilà qui est bien fait. T'as un bilan du combat. Très grande dragée curative, plein de pierres, des thunes, et pas mal de points de haut fait finalement. Pas si mal. Je pensais qu'on serait un peu plus en galère, mais non. On a réussi à le faire, ce combat. Enfin débarrassé des gêneurs. Je m'occupe de mettre en place le cristal de sorcellerie. Bah ça sert plus à grand chose, tu vas péter le bateau. Erika, Talas. On les a enfin butés, on les avait pas butés la dernière fois. Nous n'avions pas d'autre choix, les épargnés auraient signifié notre mort. Exactement, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient après toute la souffrance qu'ils ont causée. Mais nous aussi, nous avons laissé beaucoup de victimes derrière nous. C'est vrai. Nous avons gagné, c'est tout ce qui compte. Allez, faisons exploser des Roséliens. La préparation sont terminées. Je peux déclencher l'explosion à n'importe quel moment. Ne perdons pas de temps. Utilisons la détonation pour faire diversion et allons chercher Avlora. Vas-y, Milo. Fais exploser les cadavres de Roselian. Par contre, barrez-vous, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais aimé qu'il y ait un autre moyen. Désolé, Erika. Je sais que tu détestais ce trait de ma personnalité. Prends ton temps surtout. Farewell. Mon frère, ma sœur. Adieu. Ça n'a jamais été tes frères et sœurs. Hein. Bon, ça va. Je crois, j'ai eu peur qu'elle reste en mode « Non, quand même, c'est trop horrible. » Et elle pète avec. J'aurai rage-quitte. Hein. Ah ben, rip le bateau. Tout se passe comme prévu. L'armée S-Frost 3 est complètement déroutée. L'explosion du bateau a servi de signal pour le Sire Aixiam, qui a fait reculer ses hommes. Même si Avlora était sur le champ de bataille, elle doit être retournée au château maintenant. Allons-y, trouvons Avlora et finissons-en. La reine Cordelia est sûrement avec elle. Nous devons tout faire pour la sauver. Il est hautement probable que les ennemis se servent d'elle. C'est une opération très dangereuse. Nous prendrons ce risque. Très bien. Tu me rebutes, Cordelia. Cordelia, je t'en voudrais toute ma vie, Roland. Deux fois, hein. Tu pars, il faut te dire adieu. Fin. Bon, si parler de Talas et d'Erika, franchement, moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas. Sauvegarde en cours. Je pourrais m'arrêter là, pour cet épisode. Mais, on va le faire prolonger un petit peu. J'ai envie d'avoir la suite. Guidés par Roland, les Wolfort pénétrèrent sur l'île blanche à l'insu de ses occupants. Après avoir éliminé Erika et Talas, ils coulèrent le navire de guerre qui constituait l'unique issue de l'ennemi. Seul, le général Avlora représentait encore un obstacle à la libération de la capitale. À la recherche de leur cible, Serenor et ses compagnons s'enfoncèrent dans les couloirs du château royal. Chapitre 14, acte 1, Ère de la Reine de la Nuit. Direct un combat. Ah. Je pensais qu'il y aurait une petite scène, mais non, c'est direct un combat. Après avoir détruit le navire à S-Force 3, les Wolfort entrent dans le château. Bon, bah, on n'ira pas plus loin, du coup. Hein. On n'ira pas plus loin sur cet épisode. Nous allons nous arrêter là. On va pas commencer le combat. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.